Bonjour, toujours dans la même logique d'assister les enseignants qui veulent entrer en contact avec les apprenants. J'ai préparé, et suite évidemment à quelques questions concernant le fait comment on peut entrer en contact direct avec les apprenants via par exemple des séances de visioconférence. Je vais essayer de vous présenter l'interface de Hangout. Toujours est-il, je tiens toujours à vous rappeler qu'il s'agit de solutions de dépannage qui ne sont pas, qui ne représentent pas réellement un enseignement à distance, parce que l'enseignement à distance demande énormément d'autres dispositifs et d'interfaces. Donc, Hangout, en fait, comment on peut bénéficier de ça? Évidemment, pour ceux qui disposent déjà d'un compte Gmail, vous allez cliquer au niveau de ce petit bouton qui est là. Vous allez trouver directement juste en bas, vous avez l'interface de Hangout. Donc, Hangout, une fois que vous êtes dedans, vous pouvez facilement enregistrer, ou plutôt vous pouvez entrer en contact avec vos participants, c'est-à-dire soit avec les élèves ou bien avec les étudiants. Donc, en sachant que pour la version classique de Hangout, vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 25 participants au niveau d'une conférence, mais évidemment, plus le nombre est limité, plus la situation devient plus facile. Donc, pour programmer ça ou bien pour entrer en contact, il s'agit simplement de cliquer sur Appel vidéo. En cliquant sur Appel vidéo, vous allez faire apparaître l'interface sur laquelle vous pouvez vous-même être visible. Personnellement, donc, j'ai désactivé ma webcam, mais évidemment, vous pouvez l'activer en cliquant sur ce bouton-là. Vous pouvez aller directement sur pour que vos étudiants puissent vous voir facilement. Vous pouvez ici évidemment inviter les étudiants, soit en mettant les adresses e-mail des étudiants, ou bien de copier, l'idée est de copier le lien de partage et d'aller le mettre au niveau de Google Classroom. Donc n'oublions pas qu'on est en train d'utiliser Google Classroom, donc vous pouvez diffuser ça auprès de vos étudiants en leur disant que, par exemple, on a notre séance présentielle, par exemple notre séance de cours sera diffusée, par exemple, ou bien et à cet endroit, ou bien au niveau de ce lien, par exemple, et au niveau de ce lien. Et vous allez mettre évidemment le lien au niveau de cette interface. Donc, vous allez ajouter le lien. Le lien, il sera ajouté systématiquement. Et vous cliquez sur ce petit bouton et le message sera envoyé à vos étudiants ou bien à vos élèves qui peuvent vous joindre évidemment en allant vers l'interface de Hangout. Donc, vous pouvez facilement les voir et entrer en contact avec vos élèves en discutant avec eux. Vous pouvez les voir et vous pouvez et eux-mêmes peuvent vous voir évidemment facilement. Voilà, j'espère que cette solution permet de résoudre quelques problèmes de connectivité avec les participants. Je reste à votre disposition. Si vous avez d'autres questions, je serai là pour vous aider et je vous remercie pour votre attention.